Je suis à 104 années. 104 années que nous sommes en train de célébrer encore une fois. Et avec tous les sages de la politique de Manioc. La cérémonie se déroule là du matin jusqu'au soir. Avec la participation de tout le monde. Les hommes, les vieux, les sages, les femmes, les enfants, tout le monde participe à la cérémonie. C'est la cérémonie de circoncision des enfants. Et tout de suite, nous allons assister à la danse des feuilles. À partir de maintenant jusqu'à 16h-17h. Et la suite, le reste. Merci. C'est bon. C'est la femme. En français. Oh, je pense qu'il a tout résumé. Hein. Les sages se sont réunis, se sont concertés et ont retenu après les préalables, les préliminaires sur le plan mystique de démarrer le septembre, ce jour du 4 septembre. Avec maintenant l'espoir que tout se passera, Inch'Allah, bien. Nous avons fait les prières nécessaires, nous avons fait tout ce qui est nécessaire pour préparer d'un point de vue mystique et mythique
cette cérémonie-là qui est vieille de plus de 118 ans. Donc l'appel que nous lançons, c'est que cet événement, comme l'a dit Fodé, on le partage avec l'ensemble des Mourois. Il faut faire preuve de tolérance et de paix. Parce que c'est placé sous le signe de la cohésion sociale adossée à la diversité culturelle qui caractérise la ville de Mbour. Donc nous sommes en phase avec les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité qui abattent un énorme travail, le service d'hygiène, toutes les structures administratives se sont mobilisées pour faire en sorte que cet événement réussisse de la meilleure des manières. Nous sommes confiants, Inch'Allah Rabbi, ça se passera dans le calme, dans la ferveur qui caractérise la ville de Mbour, au bénéfice de tout le monde, au bénéfice de notre communauté. Merci beaucoup. Je vous Eva!
Amin. Ok, n'est-ce que l'on fait? Amin. Inch'Allah.